Et c'est bien pour les questions de les mettre dans le chat, comme ça, pendant que tu parles, moi je peux éventuellement répondre, si je peux répondre. Alors, on peut commencer, Mohamed? Oui, allons-y. D'accord. Go. Je vous laisse Let's la go. parole. Ouais, ben merci. Donc, merci Mohamed de votre participation. Merci à toutes et à tous. Ici, c'est Mohamed Sayari de la société Search Inform, responsable vente et développement commercial en Afrique. Je suis accompagné pour le deuxième webinaire consécutif ou bien le troisième webinaire avec Monsieur Mohamed Romdane, consultant en cybersécurité et partenaire à Search Inform en tant qu'un analyste externe lié à la société. Il est le fondateur de la structure Formafast basée au Maroc. Bienvenue encore une fois, Monsieur Mohamed Ramadan. Le thème de notre webinaire sera sur les cas d'utilisation des solutions et des produits Search Inform. Aussi, donc, on va revoir ensemble la conformité de nos produits, nos solutions DLP, le Data Loss Prevention, et la solution DCAP, c'est bien le produit File Auditor. Donc, commençons ensemble, Mohamed Ramadan. Vous pouvez se présenter encore une fois à votre public. Ben oui, je suis Mohamed Ramdan, comme tu as dit, consultant en cybersécurité. Donc, j'ai découvert la solution de DLP récemment, c'est-à-dire il y a une année. Moi, d'habitude, pour moi, la cybersécurité, c'est plus de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, j'ai découvert un nouveau moyen qui est de l'intérieur vers l'extérieur. Et je me suis penché sur la solution et ça m'a plu. Donc, du coup, je me suis maqué avec l'éditeur qui est représenté par Mohamed Sayal. Donc, il est clair que tout ce qui est donné avec maintenant la notion de compliance, c'est-à-dire RGPD et autres, sont d'actualité. Et donc, il y avait aussi ce besoin sur le marché pour la partie compliance et pour la partie data loss prevention. Alors, data loss prevention, tout ce qui est Wikileaks, data leaks, tout ce qui est leaks, c'est si on veut éviter ce genre de choses, c'est-à-dire les gens qui vont avoir ce genre de solution, on va leur éviter ce genre de menace qui vient généralement de l'intérieur. D'ailleurs, on peut le voir dans tous les cas de figure, depuis que, par exemple, le truc d'anthologie là, de Sony là, avec les films qui sont sortis de Sony, c'est bien grâce à quelqu'un de l'intérieur et pas de hacker. Donc voilà moi ce que je peux me présenter en tant que consultant cyber. Merci Mohamed, vous allez présenter encore plus les produits d'un côté technique. Procédons ensemble pour la présentation des cas d'utilisation et la conformité de DLP et la solution DCAP. Je suis en train, au fur et à mesure, d'ajouter les participants. Alors, la sécurité interne, personne n'est à l'abri. Voilà, donc la cybersécurité qui joue un rôle essentiel actuellement pour protéger nos informations professionnelles et nos données sensibles. Sachant que, bien sûr, sur le continent africain, les outils technologiques, en fait, ont apporté de nombreux avantages, mais elles ont également donné naissance à des nouvelles menaces. Bon, ces menaces qui touchent les entreprises, les individus, les gouvernements, je parle des menaces internes, hein. En fait, c'est pour cela que les entreprises doivent mettre en place des politiques de sécurité. On va revoir ensemble les types des politiques de sécurité et aussi la protection des données pour garantir les données de leurs clients. C'est très important. On va revoir les statistiques à la fin de cette présentation. Donc, l'entreprise est appelée actuellement à investir dans un ensemble de solutions modernes, effectivement, pour sécuriser le système de l'information. Alors,
Les solutions classiques ou bien les solutions connues actuellement sur le marché, disons une solution antivirale, une solution de web application firewall ou bien une solution de gestion de vulnérabilité ou une solution CM pour l'infrastructure, etc. Cela semble, je pense, à mon avis, je pense que cela semble insuffisant. Donc, même selon les avis des experts, je fais partie d'une société de cybersécurité où nous avons chaque mois ou bien chaque semaine des feedbacks de la part de nos clients après l'utilisation de nos produits pour la sécurité interne. Donc, les solutions classiques semblent insuffisantes vu l'augmentation des fuites des données, disons, sur le continent. Nous avons donc un projet de développement commercial sur le continent africain et nous allons parler sur le continent africain. Alors, l'intervention de DLP et la solution DCAP, je vais vous présenter alors les avantages et les fonctionnalités et on va procéder ensemble par la suite sur les cas d'utilisation, cas par cas. Et donc les avantages et la valeur ajoutée. Donc le DLP et la solution DCAP sont devenus primordiaux pour l'axe humain, c'est un axe humain, et un autre axe procédural. Donc les deux axes sont bien protégés. Donc SearchInform a pensé depuis des années sur des axes. Notre DLP a été reconnu par Gartner depuis 2017. Nous avons donc même développé la solution File Auditor depuis des années. Nous travaillons avec le File Auditor et au fur et à mesure, nous menons des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités d'interception sur le File Auditor. C'est bien la solution DCAP. Alors, sans tarder et sans retarder, donc, procédons ensemble sur les avantages et les fonctionnalités. La solution DCAP a pour mission de vous répondre à des questions semblent difficiles, telles que quel document contient des informations, je dis critiques ou bien sensibles en termes généraux, les informations confidentielles. La solution aussi, elle va vous répondre sur la question où sont stockés mes documents confidentiels, se sont stockés sur quelle machine ou bien sur les serveurs. Donc, bien que par qui sont manipulés, là je parle des opérations et de la gestion des droits d'accès. La deuxième solution, donc le DLP et DCAP, c'est un seul produit. En fait, la fusion des deux solutions pour avoir un produit de classification et de prévention contre les fuites des données. Donc, bien que ces questions vont être résolues au bout d'un moment par une simple règle, les règles sur le endpoint controller qui reflète la politique, de la sécurité. Je suis au fur et à mesure, je fais la présentation, je suis en train d'ajouter les participants. Alors, la deuxième technologie, le DLP, Data Loss Prevention, elle est destinée donc à prévenir contre les fuites des données à l'extérieur, donc de l'intérieur à l'extérieur. Je parle d'une solution donc qui intercepte toute fuite des données à travers les canaux populaires, les canaux de données populaires, disons les emails, le cloud, les impressions. Et on va revoir par la suite chaque cas sur chaque module. Donc, la solution, elle intercepte la data en mouvement. Donc, data en mouvement et les données. Disons, là, j'ai mentionné les PII, donc l'information d'identification personnelle. Aussi, le terme crypte les données, c'est le terme de device controller, le terme crypté et chiffré, le chiffrement et le cryptage des données pour empêcher l'utilisation en dehors de l'entreprise. Alors, conformité et cas d'utilisation de la solution DLP et DCAP. Procédons ensemble au premier cas, la fuite des données. Cas, un employé sans accès aux données avait des documents confidentiels. Alors là,
Je parle d'un cas qui représente une violation des droits d'accès par l'administrateur. Système, donc, qui a utilisé la connexion à distance pour fuir des données sur une machine plutôt de son collègue. Donc là, il y a ce qu'on appelle une victime. La victime ne sait rien de cette opération. Alors là, le DLP, il va intervenir pour intercepter sur le flux entre les deux machines. Donc les deux machines et les données partagées entre les deux machines. Il va aussi alerter le département de la sécurité et on aura une investigation et un audit et un terme de blocage sur cette tentative de fuite. Là, j'ai mentionné TeamViewer, protocole RDB, mais avec notre DLP, nous pouvons intercepter avec des autres applications de connexion à distance, le Light Manager, le Real VNC. Donc, les capacités de DLP sur l'interception des fuites des données à travers les connexions à distance. Donc, on a plusieurs applications à contrôler. Deuxième cas, reflète ici le travail pour les concurrents. Donc, reflète la fuite des informations pour les concurrents. Le DLP a géré l'opération et a mené une investigation. Donc, le trafic, ici, il y a ce qu'on appelle un trafic sur les courriers électroniques et sur les courriers électroniques, disons les SMTP, les POP 3S, les POP 3, les MAP. Donc, l'interception sur les webmails, ici, où le DLP, il va jouer le rôle d'un auditeur, d'un produit qui alerte sur toute fuite à travers les webmails. Alors, procédons ensemble sur le troisième cas. Ici, c'est l'affaire de braconnage de clients. L'utilisation d'un mail personnel pour fuir la base de données de clients. C'est un incident majeur détecté et bloqué par le DLP. Donc, le système, il va prendre en charge les messages transmis via les canaux et les protocoles. Donc, sous format, ici, je parle de tout type de format. C'est un cas qui reflète une entreprise de conception et d'architecture. Peut-être les formats utilisés sur les MS Office. Ici, je parle des fichiers graphiques JPG ou bien PNG. Je parle aussi des autres formats de fichiers de messagerie électronique, fichiers compressés, zip, ainsi de suite. Tout type de format, il sera donc intercepté par le DLP. Donc, la capacité de détection basée ici sur les recherches analytiques, le matching, la pertinence. Donc, même l'employé, hein, c'est très important de savoir, même l'employé importe une manipulation sur le changement ou bien une modification sur donc, le fichier. Il va donc modifier par mot ou bien ajouter des symboles. La pertinence ici sur la console analytique, on va revoir ça ensemble avec Mohamed Ramadan, comment détecter le changement non autorisé. Quatrième cas, et c'est un cas majeur aussi, la fraude, la falsification des offres, des devis, des factures, des plans. Je parle des plans réalisés sur les AutoCAD. Si je parle d'une société qui réalise des plans en utilisant l'AutoCAD, nous pouvons même créer des règles de blocage pour revoir donc la manipulation sur l'AutoCAD. Ici, donc, je parle des plans, des contrats. Avec le Monitor Controller, c'est un module intégré avec notre solution DLP qui a alerté le RSSI, le responsable de la sécurité d'information, en général le département de la sécurité d'information, sur la fuite
Et l'analyste a géré l'investigation sur l'employé. Il a bien donc découvert une traçabilité de falsification. Ici, il peut utiliser le Photoshop ou je sais pas. Donc, je suis pas expérimenté sur la falsification ou bien la fraude et en utilisant un autre programme peut-être pour essayer de changer le prix, changer la signature, changer peu importe sur le contenu d'un document. C'est très important là où vous allez mettre en amont le DCAP, la solution File Auditor, pour gestionner les droits d'accès et gestionner les opérations et partager, disons, les opérations par employé qui a l'autorisation de voir ce document, de manipuler ce document, donc d'éditer, de supprimer et ainsi de suite. Alors, on a parlé sur les quatre cas liés à la solution DLP et File Auditor. Là, je vais parler en termes généraux sur le cas. Les cas détectés par la solution DCAP. DCAP, c'est le Data Centering, Auditing and Protection, la centralisation et la protection des données. Donc, les violations des droits d'accès. En termes généraux, la solution DCAP alerte sur toutes les violations et l'utilisation non autorisée des fichiers confidentiels par une sorte d'employé qui reflète les opérations et la gestion des droits d'accès. La solution DLP aussi en termes généraux, avec l'avantage ici, l'avantage c'est très important de citer l'avantage de Search and Form DLP par rapport aux autres DLP. Il faut bien choisir le DLP pour sécuriser votre environnement. Donc l'avantage de la limitation d'envoi. On va revoir même ça par la suite sur la console avec Ramadan. Donc, la limitation d'envoi sur les périphériques et le chiffrement sur même les données. Donc, à protéger une fuite de la base de données de l'entreprise pour un usage externe. Alors, on a parlé sur les cas d'utilisation. J'ai cité le cas d'utilisation en termes généraux pour la solution DCAP et la solution DLP. Là, je vais présenter un cas majeur aussi sur l'utilisation des Shadow IT, ce qu'on appelle les BIOD, les téléphones portables, le cloud personnel. Les tablettes personnelles. Donc, je vais envoyer les données sur mon flash. Je vais finir le travail de chez moi. Là, donc, il y a ce qu'on appelle un risque majeur sur l'entreprise. Plusieurs entreprises n'ont pas une connaissance sur les dégâts de Shadow IT. Donc, le Shadow IT, rien qu'une faille, simple faille critique en termes de cybersécurité, offre une cible privilégiée pour les attaques des hackers. Donc, plusieurs entreprises ont été victimes avec le Shadow IT. C'est très important sur votre politique de sécurité interne de mettre donc une stratégie pour le bon fonctionnement de Shadow IT. On sait tout le monde, donc même j'étais un employé en Tunisie, j'utilise ce qu'on appelle le Shadow IT, mon téléphone portable et ma tablette et ainsi de suite pour finir le travail à mon domicile. Bon, j'étais pas conscient là où j'ai intégré une société de cybersécurité. Search and Form. Maintenant, je comprends bien les dégâts de ce Shadow IT. Un autre cas très critique, ou bien deux autres cas très critiques, les vols de données à l'aide de l'impression, l'imprimante, et la détection des captures d'écran et reconnaissance faciale. Donc, les vols de données à travers l'imprimante, je parle de tout type d'imprimante. On peut donc configurer une imprimante virtuelle, une imprimante sur le réseau, une imprimante locale, l'interception, donc
peut-être des vols des données à caractère personnel à travers les imprimantes, surtout sur les départements de ressources humaines. Il y a des CV, il y a des copies de biographie, il y a des numéros de carte nationale, les numéros de passeport. On n'a pas une visibilité, sincèrement, sur les impressions au sein d'une entreprise. Le DLP, il va même créer une règle de blocage sur les imprimantes. Pas sur les imprimantes, plutôt sur les documents confidentiels pour ne pas être imprimés. Donc, il y aura une interception, ce qu'on appelle une filtration sur l'imprimante en cas où un employé tente d'imprimer un document sensible et il sera automatiquement alerté envers le département de la sécurité. Le deuxième cas, la détection des captures d'écran et reconnaissance faciale. Ah, c'est un cas et c'est un cas très populaire pour les fuites des données par certains employés. Alors, là, je parle des vols de données à travers les prises des photos par un smartphone. Même si vous avez un DLP et si vous n'avez pas cette fonctionnalité, cet avantage dans votre DLP, il y a toujours ce qu'on appelle un risque. Ici, le DLP de Search Inform intervient pour intercepter les prises de photos par un smartphone à travers l'écran de PC. Donc, ici, le module d'interception, c'est la caméra contrôleur. Donc, elle va alerter le RSSI ou bien le DSI s'il y a un employé dirige son téléphone sur la machine. Donc, l'opération peut être investigué pour voir le contenu flashé. Peu importe le contenu, peu importe, donc, on peut même configurer la caméra contrôleur selon un calendrier de contrôle. Même on peut fixer la caméra contrôleur pour les employés ou bien pour ce qu'on appelle les nouveaux arrivants ou bien pour les stagiaires pour revoir plusieurs choses sur l'activité de l'employé. Voilà donc les cas utilisés ou bien les cas d'utilisation de Data Loss Prevention Search Inform, DCAP Search Inform. La fusion est possible avec le même agent sur le endpoint. On n'a pas besoin de mettre deux agents pour les deux modules. Un simple agent, un simple serveur. Bon, ce n'est pas un simple serveur. Le serveur dépend du nombre des agents. Un serveur, un simple agent, le même, qui fonctionne pour classifier les documents et prévenir contre les fuites des données. Ici, je suis sur un slide qui reflète les entreprises qui ont été victimes de tentatives de fuite selon notre statistique menée avec nos clients. Donc, sincèrement, je ne vous cache pas que 100% des entreprises qui ont installé le DLP, ils ont découvert des tentatives de fuite de données sur plusieurs, comme vous voyez ici, 27% sur les données techniques. Il reste un pourcentage je pense que les données techniques, vous allez protéger encore vos données techniques dans votre entreprise. Je parle des entreprises et des gouvernements. Les données personnelles aussi, les contrats de travail, les adresses, les ID et ainsi de suite. 100% des entreprises ont été victimes d'une tentative donc liée à un différent type de données. Et le seul moyen, sincèrement, et le seul moyen était de mettre en place une politique de sécurité inclut les périmètres de la SSI, les accès, donc la cybersurveillance, la protection des données. Voilà, donc je suis en train d'ajouter des participants, sincèrement. Donc la cybersurveillance, la protection des données, l'administration plutôt des serveurs et postes de travail, c'est très important dans votre politique de sécurité. L'audit, la gestion d'incidents, la responsabilité des utilisateurs. Et, mis à part la responsabilité, il faut bien former les utilisateurs. Donc, mener des formations chaque 3 mois, chaque 6 mois, à votre choix, donc pour avoir plus de responsabilités, pour que l'utilisateur ait plus de responsabilités. C'est bien,
Donc, une politique, mais on manque toujours les outils pour l'investigation et pour la prévention. Les seuls moyens, ou bien le seul moyen, c'est de mettre en place actuellement pour prévenir contre les fuites des données en interne, c'est la solution DLP et la solution DCAP. Alors, la PSSI, donc la politique de la sécurité interne, généralement, donc pour se conformer aussi aux exigences réglementaires et éviter, donc éviter aussi toute sanction. C'est très important de parler sur ce point. Actuellement, vous sachez que plusieurs pays ont déjà donc mis en place l'opération des lois et les lois de la protection des données à caractère personnel. Donc, éviter toute sanction qui coûte, sincèrement, qui coûte cher. C'est très important. J'évite de parler sur ce point, mais il est le moment, le bon moment d'annoncer ce point. Donc, la sanction qui coûte cher, mis à part les pertes financières dû à la fuite des données. Donc, pensez sécurité et pensez protection des données. Et si la sécurité de l'information avec le DLP et le DCAP, donc on a parlé sur les cas, on a parlé sur les exigences, sur les shadow IT, sur la protection des données sensibles, sur la filtration, sur les modules d'interception. Voilà, donc merci sans tarder. Je passe la parole à Romdan, Monsieur Romdan Mohamed, pour voir les cas d'un côté technique. Mohamed, il va partager la console, sa console. Il utilise déjà Search Inform et on va revoir ensemble les points techniques. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous laisser sur le chat vos commentaires et vos questions sur le chat ou bien intervenir pour poser des questions au fur et à mesure. Merci, merci Mohamed. Vous pouvez prendre la parole, hein? Oui, j'attends que tu me donnes la main sur l'écran. D'accord. Alors, je vais arrêter le partage de la présentation et je vous donne la main pour partager votre console. Est-ce que tout le monde voit ce que je vois? Oui, c'est visible, Mohamed. Oui. Donc, j'explique l'implémentation du produit. Donc, l'implémentation du produit, elle est relativement simple. Elle est basée sur une partie data center qui va collecter les données envoyées par les agents qui se trouvent sur les endpoint controllers. Il y a un micro qui est ouvert. Puis, vous avez ici. Le plus gros du travail va être fait dans le Endpoint Controller, ici. Donc ça, c'est la console sur laquelle on va piloter toutes les règles. Et puis, donc ça, on ne le voit pas. C'est quelque chose d'interne qui permet de faire des recherches et d'indexation. Et on a la notion de l'analytique. Donc l'analytique console, ça va nous permettre en fait de faire des requêtes. Et ces requêtes-là vont être faites sur le data center qui se trouve ici. Maintenant, concernant la partie Alert Center, ça va concerner tout ce qui est RGPD et autres, hein, qui vont nous permettre en fait de collectionner les règles et appliquer les règles de façon régulière pour voir comment ça va se manifester et pouvoir ressortir des rapports en ce sens. Donc, nous, dans la notion de ce qu'on va faire la présentation, donc là, une fois que ceci a été présenté, donc vous savez qu'il y a ces modules-là. Évidemment, on peut avoir d'autres modules, tels pour le CIEM et autres, mais bon, nous, on va s'intéresser à la partie DLP et File Auditor. Donc, concernant le Endpoint Controller, qui est celui-ci, le EC, donc le Endpoint Controller va se présenter de cette manière, à savoir, on va avoir le serveur qui est là, et puis l'interception sur les agents, à savoir ici, on a une notion de network réseau. Et dans la partie réseau, on a la possibilité de rajouter autant de endpoints. Donc normalement, ici, les endpoints, on peut les installer de façon automatisée. En faisant ici, je vais installer les agents sur tous les postes que je vais mettre ici. Alors généralement, c'est lié à un Active Directory et l'Active Directory va m'envoyer directement
tous les postes ici. Donc, je peux faire une installation des agents à distance et pouvoir piloter mon affaire à distance. Donc là, j'ai mis ici disons un laptop, et ce laptop-là, je peux y accéder via, aïe, aïe, via. Donc là, je dois changer le. Voilà, j'ai la possibilité de le changer. Donc, via cette notion de remote desktop. Donc, dans le remote desktop, donc là, vous êtes en présence du PC. Donc, vous le voyez, ce PC, ou pas? C'est visible, Mohamed. C'est visible? Oui. D'accord. Donc l'idée majeure, c'est de pouvoir dire, voilà, ça, c'est ce PC-là qui est piloté par un agent. Donc, ce pilotage via cet agent-là va nous permettre, en fait, de renvoyer des éléments vers le serveur qui est là. Donc, quand je clique ici, ça veut dire que je pars sur le serveur. Quand je clique là, je reviens sur le client. Donc, ça, c'est très important à apprécier pour que vous puissiez suivre le scénario. Vu qu'ici, maintenant, c'est une question de scénario qui va se manifester. Maintenant, en termes de scénario, je vous montre ici un peu les menus. Donc là, dans les menus, on va trouver tout ce qui est activité, base de données contrôle, policy, filtering, exclusion. Donc là, on peut avoir des exclusions par rapport à des programmes qui sont censés faire comme des antivirus. Donc du coup, l'antivirus détecte l'agent search inform, l'agent search inform détecte l'antivirus. Donc du coup, même si ce n'est pas catalogué, on a la possibilité de rajouter nous-mêmes hein, cette affaire-là. Maintenant, il va y avoir aussi la notion de connexion SSL et de journal concernant les événements de l'agent. Là, si moi, la partie qui va m'intéresser ici à présenter, c'est la notion de copie sur USB. Et donc, dans ce cas de figure, j'ai ici un lecteur USB sur le client. Donc, je me rends sur le client, je fais taf et je vais ici sur le lecteur USB. Vous le voyez ici, lecteur USB. Donc là, vous voyez que l'accès est refusé. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'objet d'une interdiction au niveau de l'utilisation. Alors, ce n'est pas une interdiction au niveau, je dirais, système, à savoir, vu que dans le BIOS aujourd'hui, on a la possibilité de bloquer l'USB, mais ça, c'est un blocage qui est dû à la notion de ce que je vais vous montrer sur le serveur. Donc, sur le serveur ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur USB device without metadata et je lui ai dit ici denied. Donc, la règle de l'USB ici, on a la possibilité de rajouter, j'ai dit ici par rapport à l'USB qui se trouve là-bas, j'ai dit voilà, celui-là, il faut pas, il est denied. Maintenant, imaginons un instant qu'il est allowed. Donc, il est allowed. Donc là, je vais pouvoir ici, donc une fois qu'il est allowed, donc j'applique les changements, là que je suis en bas à droite, j'applique les changements. Donc, il y a ici un léger souci, c'est que chaque fois que je fais une modification, il y a quelques instants pour que le système se mette à jour. Et pour que le système se mette à jour, vous voyez bien ici que ça, c'est en train de mouliner. Donc, je vais profiter de ce moulinage pour vous présenter cette interface plus en détail, puisque ici, vous voyez qu'on a les différents modules qui sont utilisés par SearchInform. À savoir le instant messaging, tout ce qui est répertoire de partage, tout ce qui est file auditor, tout ce qui est file transport protocol, tout ce qui est emailing, tout ce qui est impression, Skype, HTTP, monitor, webcam, USB, etc. Donc il y a aussi ici, après USB, qu'est-ce qu'on a? On a le micro, oui, effectivement, il peut capter des trucs de bruit sur micro. Il y a le clavier. Et donc là, l'idée, c'est que j'y vais tant qu'il n'y a pas ceci qui tourne. Tant que ceci tourne, je ne peux pas y aller. J'aime bien, vas-y. Vas-y, Jeannot, la vie est à nous. Donc la modification ici va nécessiter cette attente qui va permettre en fait de faire cette modification-là. Alors, entre-temps, j'ai pu avancer en faisant, par exemple, dans la partie HTTP,
Dans cette partie HTTP, on a aussi la possibilité de bloquer différents sites. Et donc, dans la possibilité de bloquer les différents sites, je vais pouvoir ajouter les types de websites. Et donc là, les types de sites web que je peux bloquer, donc ça va concerner tout ce qui est drogue, tout ce qui est pornographie, tout ce qui est alcool, tout ce qui est ici, tout autre site qui va permettre d'occuper nos amis employés à faire leur boulot et se dissiper dans les différents sites annexes. Et donc, dans ce cas de figure, on a fait quelques règles par rapport à ces sites-là pour les bloquer, à savoir ici le YouTube et Dropbox, par exemple. Alors, le YouTube, c'est parce que les gens vont aller sur YouTube. Maintenant, l'idée du YouTube est du bête. Ici, vous voyez ici, il y a un site de Paris. J'ai la possibilité ici d'aller sur le client et d'aller sur le navigateur pour lui demander de faire un pari. Donc, je vais sur un truc bête 365, par exemple. Et là, vous remarquerez que quand je fais bet 365 et je clique sur le site, il me dit le site web a été bloqué. Donc ça, c'est par rapport à la notion de site web. Maintenant, par rapport à donc le blocage par rapport au cloud. Donc par rapport au cloud, on a la possibilité de bloquer tout ce qui est site web du style Dropbox. Vous voyez ici Dropbox, kif kif, le website a été bloqué, donc il peut pas accéder à Dropbox pour envoyer les informations à l'extérieur. Idem, on a aussi la possibilité de penser à vouloir envoyer ça sur le net, sur la messagerie. Donc si je suis ici sur la messagerie et j'essaie de dire je vais envoyer, par exemple, à moi-même un document. Donc, du coup, il restera sur la partie, il restera sur le serveur. Donc, si je me fais une sauvegarde au niveau de mon serveur de messagerie, il suffit que je fasse comme ceci, comme cela. Et puis, je vais essayer ici de faire je vais essayer de faire ici une pièce jointe. Alors, je vous montre ici que par rapport aux pièces jointes, si je prends par exemple yuse.sybase.pdf, donc là, c'est un fichier avec un document, donc vous voyez, Act Now, machin bidule. Donc là, le fait de cliquer dedans va pouvoir me permettre de récupérer ce fichier-là dans le truc. Maintenant, il suffit que je sollicite des éléments qui ne sont pas autorisés, à savoir des informations sensibles. Donc, imaginez ce document-là où il y a des cartes de crédit et des numéros de sécurité sociale. Donc, on a fait exprès pour exagérer dans l'exemple. Et donc là, si j'essaie d'envoyer ce fichier-là, et je dis ici ouvrir, vous remarquerez que le fichier va avancer et lorsque la règle va se rendre compte qu'il y a un souci dans le fichier, ça veut dire qu'il vérifie certaines conditions que nous avons programmées à ce niveau-là, à savoir qu'est-ce qu'on a programmé par rapport à cette notion de règle, c'est on a dit que on n'a pas le droit d'envoyer des emails qui contiennent la règle consiste à dire il y a des numéros de sécurité sociale et quelques textes éventuels. Et donc, dans ce cas de figure, on a pu vous montrer que au niveau du webmail, le truc s'arrête tout simplement. Et donc, ça va rester en suspens jusqu'à ce que la personne annule son opération. Donc je reviendrai sur ça. Donc là que j'envoie du XLS, donc là c'était un docx que vous avez vu. On peut varier en mettant un fichier XLS comportant les mêmes informations. Donc je double-clique et donc vu qu'il y a un numéro de sécurité sociale, c'est pour ça que ça ne passe pas. Donc la règle elle dit il faut pas qu'il y ait des numéros de sécurité sociale qui traînent.
ou bien des cartes bancaires, ou bien des caractères SSN qui se trouvent dans le texte. Donc là, vous voyez qu'on a pu faire cette notion de blocage et d'interception sur ces différentes informations-là. Alors, je ne vous cache pas que moi-même, je suis abasourdi par rapport à la façon de Search and Form de procéder. Le fait de couper comme ça, j'ai jamais vu un truc qui commence mais qui ne finit pas. Et donc, du coup, il est clair que d'autres cas de figure vont vous étonner aussi, à savoir si je suis sur le client, donc si je vais sur l'explorateur et je vais sur le fichier là où il y a des fichiers de test ici, database test. Si jamais j'essaie d'imprimer un fichier, par exemple, je prends un fichier qui contient des informations sensibles, à savoir celui-là avec des dates de naissance, etc. Et si j'essaie de l'imprimer, donc si je vais lancer l'impression, alors ici, on va imprimer sur une imprimante PDF, c'est-à-dire c'est comme si je voulais, j'ai un document où je veux imprimer, je vais simuler une impression, alors que ce soit PDF ou n'importe quelle impression virtuelle, imprimante virtuelle ou réseau, ou LPT1 ou série, hein, ça veut dire que. Donc là, si je dis OK, alors là, il me demande de taper un nom. Donc là, je vais mettre impression, par exemple. Je vais mettre impression. Et quand je vais dire enregistrer, donc là, l'idée, c'est qu'il va essayer d'imprimer et on va s'attendre à ce qu'il s'arrête en cours de route. Sauf que là, il ne s'est pas arrêté en cours de route. Il a fait l'impression, sauf que cette impression, vous voyez bien qu'elle est à 0 kilo. Ça veut dire que il a agi sur le contenu et l'a supprimé de l'output. Du coup, l'impression, donc la personne qui a fait cette impression-là, il croit avoir eu un fichier. S'il ne vérifie pas la taille de ce fichier-là, il sera parti avec un fichier vide, en fait. Maintenant, l'idée, c'est que on va pouvoir trouver des possibilités possibles, imaginables, en revenant sur la partie serveur ici. Et du coup, je vais vous présenter ici aussi toute la partie. Donc là, processus. Donc processus, je peux ici dire que je ne veux pas utiliser telle application. Donc là, j'ai la possibilité de rajouter et de dire je veux que telle application ne soit pas utilisée. Donc là, en l'occurrence, nous, on a testé ça sur un WinWord. Donc là, dans le WinWord, je vais mettre ici dans les objets New Application, WinWord.exe. Et puis ici, en fait, vous êtes censé donner le chemin. C'est pour ça que l'étoile a été mise. Et je vais dire denied ici. Et là, quand je vais aller sur le client et je vais tester la chose, il va me dire que le WinWord, il n'est pas, ça veut dire, il n'est pas possible de lancer WinWord. Alors ici, je vous évite le temps d'exécution parce que si je clique ici et je fais Apply Changes, donc vous voyez ici, pour le changement de tout à l'heure par rapport à l'USB, déjà ici, voilà, vous voyez il a pu faire la modification. Donc nous, tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'était par rapport à l'USB. Et on vient ici et on a la possibilité de dire qu'au niveau de l'USB, qui est un storage devices, vu que l'accès il est full ici, je peux dire que je peux l'interdire. Et donc là, je vous montre cette possibilité-là, à savoir quand je vais sur le client. Donc je vais sur le client. Donc, je fais ça, tac, tac. Donc là, je suis sur le client. J'insère la clé USB. Donc, je fais ça et j'insère la clé USB. Donc, quand je vais sur la clé USB, vous voyez qu'il y a des documents ici. Hein, qu'il y a des documents ici. Et quand je vais pouvoir ici créer une règle pour ne plus avoir cette possibilité de pouvoir voir le contenu du lecteur USB, il suffit que j'aille dans la partie. Dans la partie telle que je vous ai montré tout à l'heure, ici, et on va cliquer sur la partie USB storage. Et dans cette partie-là,
je vais indiquer que l'accès type ici, il est not full, mais plutôt deny access. Donc, en disant deny access, donc là, il va dire qu'aucun utilisateur ni groupe ne pourra le faire, aucun computer ne pourra le faire, et éventuellement, j'ai la possibilité de faire actionner la notion de shadow copy. Le shadow copy ici, ça veut dire quand la personne rentre sa clé USB, paf, il y a une sorte de file auditor qui se fait sur ses fichiers à lui. Et dans la mesure où il va trouver des documents qui ne sont pas, qui sont interdits, on va trouver ici une copie dans un répertoire qu'on aura spécifié. Maintenant, Non, donc concernant oui, voilà. comment? Je n'ai pas la possibilité de mettre une autre. Une possibilité de... J'ai pas entendu. On n'a pas entendu, monsieur. Vous pouvez refaire votre question? Désolé, c'était une erreur. Bonjour. Ah, d'accord. C'était une erreur. OK. Donc, l'idée majeure, c'était de dire, quand, donc, si jamais je fais deny access ici, il est clair que, il ne pourra plus mettre sa clé USB. Maintenant, concernant, toujours dans la partie DLP, j'ai la possibilité ici, comme je peux faire le shadow copy ici, donc il faut l'activer. Je peux limiter ici la notion de données, quels sont les utilisateurs et les groupes qui peuvent faire. Donc, il y a une sorte de granularité que je peux faire un regroupement par groupe et j'aurai la possibilité de faire des restrictions sur le réseau, etc. Donc, voilà l'idée concernant la notion du DLP. Arrivé à ce stade, je vais vous montrer comment va se faire la notion de compliance. Alors évidemment, à part la notion de ces sites web et ces imprimantes et ces copies sur USB, ces webmails et ces filtrations et ces classifications de blocage et interception, ça concerne tous les documents et ça concerne la partie DLP. Maintenant, dans la partie investigation. Dans la partie investigation, on avait dit qu'il fallait aller sur la partie analytique. Donc là, on a la console analytique et pour y aller, on va avoir à paramétrer d'abord l'alert center, dans lequel où on va choisir quel type d'information je veux mettre dans le collimateur. Par exemple, ici, j'ai choisi une notion de personal information, qui est une complexe query, et qui va dire, voilà, j'ai besoin de récupérer par rapport à cette information-là, à cette requête-ci, à cette condition-là, trouve-moi les documents qui vérifient cette partie, cette condition. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette condition? Cette condition, en fait, elle dit la chose suivante. Donc, si je vais détailler la condition, elle va dire, c'est une complexe query qui consiste à trouver un numéro de sécurité sociale composé de trois chiffres, deux chiffres et quatre chiffres. Et c'est en utilisant une expression régulière. Donc moi, ici, j'ai pu ici faire ça avec une expression régulière. Cette expression régulière, elle est là, trois chiffres, deux chiffres, quatre chiffres. Et j'ai la possibilité d'avoir ici une bibliothèque de plusieurs possibilités que je peux soit rajouter moi-même, soit récupérer dans notre bibliothèque, dans notre référentiel. Et donc, dans ce cas de figure, en faisant ça, en basculant sur les incidents, il va me sortir les documents où il a trouvé cette information-là, où il a trouvé cette condition-là. Et parmi ces documents-là, c'est celle que je viens de vous montrer là actuellement, qui est le fichier PDF ou XLS associé à cette affaire. Donc là, il me le montre, et donc du coup, j'ai les occurrences 25 avril, j'ai ça, là j'ai le truc Excel, donc c'est pour ça que la présentation se forme Excel. Donc là, le premier, c'était un PDF. Le second, c'est un Excel, etc., etc. Donc là, vous voyez comment, à partir. Alors, imaginez le HIPAA ici, par exemple. J'aurai toutes les règles de HIPAA à ce stade-là, quitte à ce que je rajoute moi-même d'autres règles. Et quand j'ai besoin de voir quels sont les documents qui ne respectent pas le HIPAA, il suffit que je fasse Start Checking et il va faire le parcours de tous les documents et de me sortir tel que je vous ai montré
Alors ça peut nous servir pour la notion de compliance et ça peut nous permettre en fait de récupérer une partie de l'investigation. Maintenant, la vraie investigation qui va aller consulter en fait la base de données qui concerne la base de données qui concerne le data center, c'est-à-dire là où toutes les données sont collectionnées. Donc là, l'idée, c'est de dire si je veux faire une recherche, par exemple, par rapport aux manipulations qui ont été faites actuellement. Donc, je peux choisir quelle chose je veux auditer. Ça veut dire ici, par exemple, la notion de cloud, la notion de device, par exemple, pour ne pas pour limiter le truc de recherche. Je peux indiquer quel utilisateur, je peux indiquer c'est une recherche sur un texte, sur une phrase, sur un contenu similaire, sur un thésaurus, c'est-à-dire un dictionnaire, sur la forme d'un numéro de téléphone, sur un formulaire. Et donc, j'ai la possibilité de composer la condition par des conditions complexes avec un des or et qui vont me permettre en fait de faire des conditions plus ou moins complexes sur tous les paramètres qui sont dans notre base. Donc imaginez, toutes les informations qui sont arrivées par notre agent sont arrivées bien ordonnées, à savoir de quel ordinateur, de quel domaine, de quelle IP. On peut aller même au niveau physique, au niveau de l'OSI, à savoir l'adresse MAC, qui est la plus basse qui a la plus basse des briques réseau, le nom du document, le nom du fichier, les informations se trouvant dans la metadata du fichier, ça veut dire ce qu'on peut mettre comme commentaire, les extensions .txt et autres, le hash du file, la classe, l'OCR, l'image. Donc, vous avez toutes ces informations-là qui sont confinées dans la base de données. Je peux faire dessus une investigation. Donc, pour moi, en tant qu'analyste, je maîtrise cette base de données en tant que système d'information. Et à la limite, si je ne peux pas faire une requête via cette interface-là, j'aurai toujours la possibilité de la faire directement avec le client. Avec le client de la base de données, à savoir ici, la base de données, elle est SQL Server. Donc j'aurai le client ici qui s'appelle SMS. SSMS, qui veut dire ici le client qui va me permettre de faire des requêtes. Comme je peux faire des requêtes ici en direct, j'ai la possibilité aussi de le faire via l'interface. Donc, si je suis, comment dirais-je, si je suis paresseux, je vais le faire ici. Et pour affiner en fait ma recherche, j'ai la possibilité de le faire via de façon très 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 fine, je serai amené à utiliser l'autre interface. Maintenant, ici, nous avons la notion de rapport que j'ai zappé sur l'autre interface, où il y a la notion de reports. Où sont les reports, Mister Mohamed Sayari? Bon, vous voulez, on laisse les rapports pour le Allez, allez, prochain pourquoi? webinaire, hein? C'est à votre niveau de. Bon, Oui, ça me fait. si vous voulez mettre les rapports, avec Non, plaisir. non, c'est juste pour montrer que les rapports sont prédéfinis par Les rapport aux données utilisées. rapports à Oui. propos, les rapports de quoi exactement? Il y a plusieurs rapports sur la console. C'est là où il y a tous les rapports. Vous vous rappelez, il y a un menu où il y a tous les rapports. Ah, Bref. sur la console analytique, bien que vous Sur la pouvez console refor analytique. bien sûr, sur la console analytique, Ah, oui, d'accord. ce sont Voilà, des ici, rapports. report. Voilà, ici. Bon, Donc, voilà c'est les reports que je voulais montrer, en fait. Donc, vous allez avoir tout ce que vous avez fait dans l'Alert Center. Ils vont avoir ici une notion de rapport. Et ces rapports-là, ils sont paramétrables, puisque vous pouvez mettre la date, etc. Bon, Et ce ils sont des vont. rapports, s'il vous plaît, Mohamed, je peux intervenir. Ce sont des Oui. rapports liés à la partie software et la partie hardware. C'est plus de montrer les rapports en software et les rapports en hardware que des rapports d'incident. Bon, je pense. À mon... Il est clair que s'il y a ici les rapports Alert Center, c'est ce qu'on a fait au niveau de l'Alert Center. Ça veut Ah, dire d'accord, ce qu'on a d'accord. fait ici,
Ah, Est-ce qu'on a d'accord, je réussi? comprends. Donc, on va trouver les rapports à ce stade-là. Donc, voilà. Donc, voilà ce que. Donc, là, c'est le haut de l'iceberg, mais il est clair que c'est plus que ça. Hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre dans si peu de temps toute la partie. Donc. Surtout, s'il vous plaît, Mohamed, la partie file auditeur et la partie l'avantage des opérations et le droit d'accès sur la console investigation. Donc, la console d'investigation, c'est l'analytique ici, c'est tout Oui, ça, hein, dessus l'analytique. vous pouvez aller au file auditeur. Au file auditor. Donc, le file auditor, il est là. Non, je parle sur la console analytique. C'est pas sur les règles d'audit et. Sur l'analytique. Donc, en fait, il faut que je dise, avant d'aller sur l'analytique, il faut que je dise que dans la partie file auditor ici, on a eu la possibilité, on a eu la possibilité de faire une classification automatique et au niveau de cette classification, on a pu rajouter aussi des niveaux des niveaux personnels. Donc, Mohamed, ici, nos clients posent une question toujours. Est-ce que la classification par une simple règle prédéfinie ou bien à définir, comment on fait non, il y a, en fait, on ne les voit pas ici, il y a plus de 300 règles cachées qui, en fonction du contenu, vont taguer le fichier par un tag. Bon, Et ce tag. plutôt, c'est une sorte d'indexation sur les. L'indexation, oui, tout à fait. Une indexation, au même titre que vous faites des tags, lui, il peut rajouter des tags à sa façon. Et ces tags à sa façon, ils sont automatisés. Maintenant, si vous n'aimez pas ces tags à lui, il suffit de rajouter vos propres tags. Donc, l'idée majeure, vous voyez ici, par exemple, il va mettre, s'il trouve que les fichiers, un code source avec un point Pascal, point C++, il va dire que c'est un source code. Donc, voilà les différents tags actuels. S'il trouve des adresses IP statiques dedans, il va mettre, c'est un document qui contient des données personnelles concernant l'employé, concernant son mobile, concernant le détail de sa banque et concernant son assureur. Donc, vous voyez, tout ce qui se trouve dans un document, ces informations-là, il va taguer en disant, voilà, ça, c'est un document financier, financial. Donc, s'il trouve des informations de ce type-là, il va dire, ah, ça concerne l'employé. Et donc, en ayant mis ces tags-là, vous pouvez venir et rajouter d'autres tags à vous. D'accord, ça veut dire, et les tags à vous sont prédéfinis déjà, ça veut dire, tel que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, c'est secret, top secret. Alors, ce que je conseille aux utilisateurs, c'est de mettre tous leurs fichiers dans un même récipient, sur le réseau. Comme ça, on pourra y accéder des différentes façons possibles, imaginables. Et donc, du coup, ici, ce qui va se passer, c'est que de la partie analytique, évidemment, si je vais sur la partie analytique, non, si je vais aller sur l'analytique qui est là, dans ce cas de figure, je vais avoir, au niveau du file auditor, les différents fichiers qui ont été tagués. Donc là, vous voyez, ici, il a dit que c'est financial reporting. Alors parfois, vous trouvez des documents qui ne sont pas financial reporting. Par exemple, ici, vous voyez, il y a plusieurs petites briques là. Là, il a dit, j'ai trouvé du personal email, j'ai trouvé la liste des employés et financial information. Donc ce fichier-là qui est un CV, effectivement. Et donc du coup, ici, vous voyez que ça, c'est de l'automatique. Ça, c'est de l'automatique. Vous voyez que parfois, il peut trouver plusieurs briques. Il peut taguer plusieurs. Alors, ça, c'est une couche comme si on rajoutait sur le système d'exploitation une surcouche qui va me permettre, en fait, de faire ce genre de choses. Alors, regardez ici, il y a plusieurs tags. Alors là, c'est un fichier qui contient pas mal d'informations. Vous voyez ici, il a trouvé Tenders, il a trouvé. Donc, ça, ce sont des tags automatiques. Maintenant, si moi, je veux rajouter, par exemple, à ce fichier-là, un autre tag, il suffit que je rajoute ici au manuel Data Classification Tag, au lieu que ce soit no label, je vais rajouter moi-même un label. Donc voilà en ce qui concerne cette. Alors je peux faire une recherche sur les tags automatiques.
Maintenant, si jamais je les ai mis quelque part dans un même répertoire, bon, ici, vous voyez, vous remarquerez que la plupart de mes fichiers sont dans le répertoire download, parce que ce que je ramène de l'Internet, ça descend directement dans le download. C'est pour ça qu'ici, il y a un maximum d'informations sur une machine qui était initialement vierge. Donc, voilà la classification et voilà la partie audit de cette classification. Dernière question de ma part, Mohamed. Juste les opérations menées sur chaque document. Quels sont les types d'opérations qu'on peut les revoir sur notre console analytique? Bon, vous pouvez aller simplement à gauche et cliquer sur les opérations. Bon. J'ai pas suivi la question. Ben, je te donne la main, fais-le toi. Non, 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 c'est pas très important. Juste, je Oui. parle sur les opérations. Voilà, les opérations, operation. Cela. Ah, vous pouvez. Ah, je dois vous Oui, mais ce n'est poser la pas des question en opérations, anglais. ça, c'est Non, en non, fait. je parle sur les opérations. Non, non, vous pouvez rester sur la console analytique et on revoit ensemble les différentes opérations menées ou bien interceptées par le file auditeur. Ici, vous avez Automatic Data Classification, File Size, Access Write, Created, Modified, Accessed and Operation. Vous pouvez cliquer sur Operation. Oui. On va revoir les différentes opérations menées. Donc là, si je dis par exemple, je veux voir les fichiers qui ont été supprimés et je descends en bas. J'ai le truc là qui me gêne, voilà, et je fais un search. Vous n'avez aucun document, peut-être. Bon, juste pour revoir ensemble avec les participants, peut-être c'est utile pour revoir les différentes opérations interceptées par le file auditeur. Je pense que c'est clair, Mohamed. Vous avez une autre information, une autre chose Pas à dire? d'information, j'insiste sur que cette notion de file de classification, c'est plus pour les données d'archivage, ça veut dire tout ce qui est data in rest, ce qu'on appelle nous les data in rest. Les Maintenant, data non mouvementées, disons les voilà, non, data. oui, ils sont figés. Et donc, du coup, la partie DLP, elle est plus dynamique. Quand j'imprime, quand je manipule, quand je transfère, quand je copie, quand ça passe sur le réseau. Tu vois, ça veut dire que c'est quelque chose qui est soit en utilisation, soit en mouvement. En mouvement quand ça traverse le réseau et en utilisation quand je suis en train de la manipuler. Donc voilà le topo, le tour que je peux effectuer, dire. Maintenant, Merci. l'idée, c'est de rajouter la partie MSSP qui est dans mes cordes, en fait. Et qui consiste à dire que, vu que le fait d'embaucher un consultant sécurité, il est non seulement rare, mais cher, il est clair qu'une société a tendance à vouloir louer les services, hein, à louer les services d'un MSSP pour pouvoir s'occuper de sa sécurité. Et elle va s'occuper plus de la partie business. C'est-à-dire, elle va plus se mettre, elle va plus chercher quel truc de phishing ou quel machin qui a été fait actuellement up to date pour mettre l'antivirus ou le remède associé. Donc voilà l'idée, c'est de dire je me décharge, je fais une sorte d'infogérance de ma cybersécurité. Vous Ou pouvez bien. même aider, s'il vous plaît, Mohamed. Vous pouvez même Oui. intervenir en tant qu'un MSSP certifié par Search and Form pour aider les entreprises de mettre en place une politique de sécurité en se basant sur les interceptions et sur le feedback de DLP. C'est-à-dire aujourd'hui, si une entreprise manque d'une politique de sécurité, entre guillemets, donc je pense que toutes les sociétés ont déjà ses propres politiques, mais en renforçant cette politique par la partie droit d'accès, par la partie fouille des données, le volet aussi prévention, vous pouvez intervenir comme un SSP pendant 1, 2, 3 mois selon donc la demande d'un client avant de faire une acquisition ou bien de mettre en place ou bien d'intégrer la solution. Je pense Oui, c'est si une clair que société. cette notion, je la fais même si je ne suis pas MSSP, c'est-à-dire en tant qu'audit, quand j'arrive sur un système d'information,
J'y mets un peu plus d'organisation, que ce soit pour pouvoir permettre des backups rapides c'est-à-dire une centralisation des données pour pouvoir permettre leur backup de façon facilitée sur un deuxième réseau, par exemple. Je peux faire une double carte réseau pour pouvoir faire un réseau pour le backup et un réseau pour le business, pour les entrées-sorties et les transactions de la société ou de l'organisation. Et ça, c'est par rapport à un plan d'audit CISA, c'est-à-dire quand on est auditeur CISA, on a cette possibilité-là de détecter cela et de présenter un plan d'action et après de suivre ce plan d'action, c'est-à-dire vérifier que le plan d'action a été Ah oui. implémenté par rapport à cette gouvernance de cette. On finit, Mohamed. On a encore 10 minutes. On finit le MSSP, il est bien parce que, fort de son expérience avec d'autres clients, il a pu voir. On a déjà parlé sur le MSSP OK. lors de notre dernier webinaire. On va parler encore plus sur le MSSP. Ça entre aujourd'hui, c'est une sorte de MSSP aussi. Donc, regardez le webinaire précédent. N'hésitez pas à regarder le webinaire précédent. Alors, Mohamed, s'il vous plaît, si la question de Monsieur Omar, avez-vous une version française de la Tout à plateforme? fait, Tout tout à à fait. fait. On a une version française et elle est plus riche que la version anglaise, hein. Ah, vous êtes un anglophone, en fait. Est-ce que les flux de données depuis l'IVM sont détectés? La question de Amin, il faut installer l'agent sur l'IVM? Tout à Votre... fait, Tout à tout à fait. fait, tout La à fait. solution est compatible avec l'environnement HCI, Mohamed? Tout à fait, oui. Tout à fait, oui, bien sûr. Ici, là, plusieurs questions, on a toujours les réponses. 99 des questions seront par une réponse claire, oui, avec les documents nécessaires. J'ai reçu même la question contenant les exclusions. J'ai même répondu sur le chat comment ajouter les exceptions au logiciel antivirus. On n'a pas besoin de faire des exceptions sur les EDR. Sur le Endpoint Controller, on peut même vous aider à créer ces exclusions pour éviter les conflits. Même sur la console Data Center, vous pouvez configurer ça. Vous pouvez rester sur la console, Mohamed. Je vous remercie. Avez-vous quelque chose à dire ou je vous laisse finir par le mot de la fin? Non, c'est un bon produit, il est facile à installer dans la mesure où il est composé d'une partie, je dirais, d'un agent à installer sur le client et puis de l'autre côté, on réceptionne ça dans une base de données. Bon. Bonjour Ramdan, merci Mohamed. Je dois passer la parole pour un expert au cybersécurité présent avec nous. J'ai insisté qu'il intervienne pour donner son avis et nous répondre sur deux à trois deux questions. Nour, le module 1807 et 18 est disponible sur les dernières consoles. Le module, bon, je parle sur la loi 1807, bon, on peut configurer les caractéristiques liées à cette loi. Les exclusions sont les répertoires de la solution ou bien sur les process. J'ai Les pas deux, les deux, compris. les deux, les deux, les Bon, deux, j'ai je pas dis les deux. compris, mais je pense Regarde, que. regarde dans l'affichage, il y a le process et il y a la racine, ça veut dire Bon, en fait, nous les pouvons deux. fournir un document qui reflète donc la préparation de l'installation du système logiciel Search and Form, contenant l'installation et la configuration de SGBD, les composants du système, les exceptions au logiciel antivirus, la mise en miroir du trafic réseau, l'intégration avec les serveurs messagerie SMTP, l'installation des postes de travail, configuration des pare-feu Windows, même la configuration sur le Linux OS. Félicitations aussi pour Search and Form. La protection au niveau du Linux par le file auditor est possible. En mode déploiement, je parle des deux modes de déploiement, monsieur. Vous avez cité, nous sommes déjà sur le cloud Azure.
On-premise sur cloud, vous avez la liberté sans tarder. Merci. Donc, avant de clôturer, Henri de la Guinée, est-ce que vous Oh, m'entendez? Merci, oui, moi-même, merci. je t'entends parfaitement. Oui, donc, sans tarder, je vous laisse parler et nous répondre D'accord. sur deux questions. La vision du marché africain sur la gouvernance des données, l'État et l'état des sociétés face aux cyberattaques. Et une troisième question, c'est Didier pour Search and Farm après l'exécution, après l'installation de Search and Farm, DLP et File Auditor dans votre structure. En fait, Ramzan aussi, il a installé autant qu'une société. Donc, il reflète la société Formafast. On a donc dépassé les cinquantaines des installations en Afrique. Mais en tant qu'un expert et partenaire à Search and Farm, est-ce que vous pouvez donc nous renseigner sur la bonne exécution de DLP Search and Farm dans votre environnement et nous répondre sur les deux autres questions liées à la gouvernance et les cyberattaques en Afrique? D'accord. Merci Mohamed de nous donner cette lucarne pour le webinaire. Avant tout, je me présente rapidement. Je suis Kone Henry, le directeur des opérations au sein de African Cyber Security Market, qui est basé en Guinée, pour la CRI, et qui exerce son activité aussi avec une filiale en Côte d'Ivoire et une filiale à Bamako. Voilà, nous sommes une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. Et nous exerçons dans ce domaine spécifiquement. Effectivement, relativement à ce webinaire, on va déjà partager notre retour d'expérience. Mais avant de revenir sur notre retour d'expérience, concernant la gouvernance des données et puis l'état du marché de la cybersécurité en Afrique, ce qu'on peut dire déjà sur ce domaine de protection de données, l'Afrique aujourd'hui est devenue une cible. S'il vous Ça plaît, Henri, on veut doit que s'il vous plaît, est-ce que vous dire pouvez désactiver votre micro pour les participants? que... Vous pouvez continuer. Je m'excuse, Je Henri. peux. Oui. Je peux. OK. Je disais que l'Afrique est devenue si privilégiée pour la simple raison qu'aujourd'hui, en matière de sécurisation de l'infrastructure, on n'a pas encore pris la pleine mesure des risques auxquels nous sommes confrontés en fait en Afrique. Donc, c'est l'une des difficultés majeures sur le continent africain et l'un des points essentiels sur lesquels nous-mêmes, African Cyber Security Market, on travaille avec nos clients. Les gens, ils ne prennent pas la mesure de prendre les dispositions, mettre les budgets nécessaires qu'il faut pour aller travailler sur la protection des données, surtout même en interne. Tout à l'heure, dans ton exposé, tu disais, de plus en plus, quand on parle de cybersécurité, les gens ont tendance à sécuriser plus de l'extérieur, avec les firewalls, les antivirus, mais ils ne sont pas très ouverts en termes de budgétisation pour les politiques de sécurité en interne, jusqu'à ce que ils soient confrontés à des fuites de données avec les incidents. Aujourd'hui, on a clairement des exemples sur lesquels nous nous capitalisons quand nous approchons les clients, parce qu'en Afrique, que ce soit dans notre région, que ce soit en Guinée ici, que ce soit en Côte d'Ivoire, comme au Sénégal, l'année dernière, on a eu plusieurs cas de fuites de données qui ont occasionné de nombreux préjudices au sein des entreprises. Donc, ces cas, nous les prenons comme exemple pour aller vers nos partenaires, vers nos différents clients, pour leur présenter les risques auxquels ils sont confrontés. Que de plus en plus, les gens puissent mettre l'accent, effectivement, sur ces solutions de protection, notamment au niveau du DLP, la protection des données en interne, parce que c'est important de sécuriser de l'intérieur. Voilà, on met l'accent sur la sécurité de l'extérieur, mais c'est très important de sécuriser de l'intérieur. Donc, nous travaillons essentiellement sur ce point au niveau de notre marché et nous accompagnons pas mal d'entreprises dans ce cas. Nous aidons même les entreprises à comprendre, parce que très souvent, quand on va vers les DSI, ils ont du mal à faire valider ce type de solution au niveau budget. Parce qu'au niveau du top management, on ne comprend pas souvent l'impact, l'importance de sécuriser ces données, jusqu'à ce qu'on soit victime. Et quand on est victime, on voit un peu l'ampleur que ça fait, le préjudice que ça l'entreprise subit. C'est là qu'on réalise. Mais attention, mais en amont, c'est souvent difficile. Donc, nous accompagnons déjà même les DSI à
cette sensibilisation auprès du top management pour exposer les risques auxquels ils sont exposés avec des exemples en appui, puisque les exemples sont déjà légion dans notre région, avec beaucoup d'entreprises qui se sont fait déjà voler les données et où cette fuite de données a impacté considérablement leur activité. Aujourd'hui, avec le partenariat que nous avons avec CertInform, on a pu déjà, il était déjà important à notre niveau de maîtriser l'outil. Donc, le produit CertInform, nous-mêmes, nous l'avons déjà déployé dans notre environnement en interne, sur lequel déjà on a pris le temps de bien se familiariser avec, parce que c'est important, une solution que tu vois, il est important de la connaître. Donc, au-delà de la commercialiser, l'outil DLP CertInform nous-mêmes a permis de sécuriser beaucoup de choses dans notre environnement, à mettre en place une bonne politique de traitement de nos données. Parce que, en tant qu'une entreprise de prestation de services, nous avons des accords de non-divulgation, des NDA avec nos clients. Il était important de sécuriser toutes ces données-là en interne pour ne pas que demain ça se retrouve sur la place publique. Au niveau de la Guinée, nous nous positionnons comme leader dans ce domaine. Donc, il était important que nous-mêmes, en interne, nous prenions des dispositions pour nous sécuriser sur le plan des documents qui circulent. Dans ce plan, on a véritablement, pour l'instant, elle fonctionne très bien chez nous. Et au niveau clientèle, clairement, nous avons deux clients qui ont même qui ont affiché clairement le désir, sur lequel nous sommes en train de travailler déjà pour monter le POC, pour les accompagner à déployer cette solution dans leur environnement. Donc, l'un des défis majeurs aujourd'hui en Afrique, c'est plus la sensibilisation, pour que les organisations, de plus en plus, ils dégagent les budgets qu'il faut pour aller vers ce type de solution. Parce que la première action, quand les gens vont vers la cybersécurité, c'est d'abord les solutions qui sécurisent de l'extérieur. Je le disais tantôt, les firewalls, les antivirus, mais il y a ces solutions-là, effectivement, qui apportent un plus au niveau sécuritaire. Donc, c'est sur ces points-là que nous travaillons en permanence et sur lesquels nous accompagnons nos clients. Aujourd'hui, dans la région, on se positionne en tant qu'expert dans ce domaine, sur ces produits-là, et nous avons de plus en plus un fort impact sur l'ensemble des clients que nous avons et même les clients à venir, puisque nous avons pu avoir des qui été forts sur ces produits, donc ils se positionnent comme support de premier niveau sur ces solutions qui est fait et une communication qui est faite sur ce produit-là par nous au niveau ici en Afrique de l'Est. Nous nous positionnons effectivement comme un partenaire très fiable et nous sommes en mesure d'accompagner les entreprises sur ces différents plans-là. Donc, c'était un peu ce bref point que j'avais voulu aborder sur. Allô, vous m'entendez? Oui. Ah, désolé, je pense que Il y j'ai a eu un l'impression que blanc, j'ai un peu. mais maintenant l'idée, c'était très intéressant, les points que vous avez évoqués. Personnellement, je ne connais pas encore la Guinée. Ça va être une occasion de rendre visite. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous sommes vraiment disponibles. Nous sommes dans un peu de sensibilisation au niveau de la région, comme je le disais dans mon exposé, pour amener des entreprises à travailler sur la mise en place des politiques de sécurité qui va déboucher effectivement sur les outils qui vont permettre de suivre ces politiques de sécurité, dont le DLP qui fait partie de l'un de ces outils-là qui interviennent au niveau des politiques de sécurité. Donc, c'est sur ces points-là que nous nous positionnons sur ce marché et nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice dans le développement de ce marché. Mohamed? Oui. Oui, Ok, on vous d'accord. écoute. Sayari, on t'a perdu. Bonjour Henri. Bonjour. Oui, bonjour. Henri, C'est pas Henri. bonjour. Allô, oui, bonjour, je vous entends. Oui, allez-y. Oui, c'est Guy Roger au passage. Je vous salue. Oui, Guy Roger, comment tu vas? Oui, ça va. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, effectivement, pour résumer, ça me dit African Cyber Security Market reste un partenaire
pour ceux qui informent dans la région, pour tous les besoins en solution, que ce soit le DLP, pas l'auditor, le CIEM, même sur le CIEM également, c'est vrai que ça ne fait pas partie du webinaire sur lequel nous sommes, mais c'est un produit également que nous sommes en POC chez un client qui est fortement intéressé par ça, par le CIEM 7 Info. Donc, nous sommes vraiment positionnés, on a une équipe d'ingénieurs qui travaille à la montée en compétence sur ces produits-là. Et nous sommes vraiment disponibles pour accompagner les différentes entreprises dans la région. Merci beaucoup, Henri. Merci, merci. J'ai bien apprécié votre intervention. Merci à Corasens Numérique, à tous nos partenaires, à tous nos clients qui ont installé déjà la solution sans citer les pays sur toute l'Afrique entière. Donc, merci à toutes et à tous les participants. Les nouvelles de Search Inform, donc on est déjà sur JISEC Global à Dubaï pour donc présenter notre service MSSP. Search Inform sera en tour à partir du 18 mai au 2 juin en Afrique du Nord pour être présent sur le CTO Forum en Algérie. Alors, un passage avec nos partenaires en Tunisie. Félicitations aussi à nos partenaires qui ont adhéré à la chaîne partenariat de Search Inform en Tunisie. On développe encore et encore plus le marché en Tunisie ou bien sur les autres pays par d'adhérer des autres revendeurs pour développer encore, c'est notre stratégie. Donc, en se basant sur nos partenaires, on fait confiance à nos partenaires et on forme nos partenaires pour bien servir nos clients. En tour, donc je vais finir aussi notre tour par notre présence à JITEX Africa au Maroc, à Marrakech, le 29, rendez-vous à JITEX, rendez-vous en Tunisie, rendez-vous en Algérie. Merci beaucoup pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi un planning. Je vais fixer le planning pour visiter quelques pays, quelques partenaires, donc prochainement. Merci Mohamed Ramadan. Je vous Oui, remercie c'est pour bien, ça a votre. été. Ça a été Oui, très oui. bien, je pense. On a même dépassé 1 heure de webinaire. On ne peut pas répondre à toutes les questions. Vous pouvez essayer la solution pendant 30 jours avec une assistance de ma part et de la part de notre équipe. Équipe technique, équipe analytique à votre disposition pour un POC et même pour, vous connaissez donc Search Inform offre l'installation gratuitement si vous voulez avoir une installation, l'assistance, le transfert de compétences, la formation. Bientôt, on va lancer le e-learning pour maîtriser la formation en ligne et certifier nos partenaires et pourquoi pas certifier nos clients qui ont déjà installé ou bien qui vont pour les prochains clients qui vont installer le produit de Search Inform. Merci Mohamed. Restons disponibles au besoin, comme toujours. Si vous avez une demande pour le service MSSP, n'hésitez pas à me contacter ou bien contacter directement Mohamed Ramadan. Merci beaucoup pour Mohamed votre Ramdan, réactivité. Formapass Merci. Consulting. Il est clair que vous tapez Mohamed Ramdan, ça sort, je suis le premier sur Google, donc c'est bon. Mohamed, au revoir, merci. Au Au revoir. prochain webinaire, le prochain webinaire sera après les vacances d'été pour présenter la solution Data Software and Hardware Management et on finit cette année par la présentation de notre solution CIEM. Merci et à très bientôt.